Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 233 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Badland. Alors Badland, comment décrire ce jeu? Ah, falloir que vous le voyez vous-même. Hein. J'espère que vous connaissez pas déjà, vous allez être sûrement surpris par le jeu, par l'ambiance. Écoutez déjà le son. Voilà, exactement. On peut jouer en coop. Alors, je connais pas par cœur le jeu, mais je connais un petit peu parce que j'avais commencé à y jouer à un moment. Et c'est zen. Allez, on va se mettre en single player. On va faire le premier level. C'est du puzzle, puzzle action. Vous allez voir. Je sais pas comment décrire le mieux ce jeu. On va commencer depuis le début. Alors, je sais pas si je peux retourner au menu et vous faire une partie entièrement depuis le début. Non. Et ben on va partir. Je vais essayer de recommencer les niveaux. Ok. Allez. Voilà. Alors j'appuie sur A pour m'envoler. En gros, j'appuie sur A, ça bat des ailes. Donc il monte. Et le but, bah, ça va être d'arriver jusqu'à la fin, yep, du niveau. Donc en gros, je peux juste battre des ailes et aller de gauche à droite. Et il va se passer plein de choses. Regardez, il y a plein d'obstacles qui me envoient un peu partout. Mais ce genre de jeu, voilà, graphiquement, il est wow. Voilà, graphiquement, et puis c'est zen. C'est un peu glauque aussi, parce que bon, bah, on a une sorte de petite boule de poils qui vole. Voilà, mais... Ok, d'accord. Youhou! Je me suis fait botter le fion. Non! Voilà. Voilà comment on perd dans Badland. Yop. Et pour arriver à perdre, voilà. Survive with 2 tries, with 1 try. Ah bah tiens, je vais essayer de refaire le level. Ah, on se retape l'arrivée. Allez, lance. N'importe quoi. Et au milieu de tout ça, il y a nous, quoi. Donc en gros, je vais essayer de pas mourir sur le level. Ça va pas être facile. Yo. On va essayer de pas se faire avoir. Allez. Oui. Donc en gros, voilà, ça c'est le système d'étoiles. Bon, on peut dire que c'est un jeu puzzle. Voilà. Et on navigue entre les tuyaux, entre chaque niveau. Dans les tuyaux, entre chaque niveau. Et chaque niveau apporte son lot de surprise. Alors, ah, attention, alors ça fait grossir, ça. Ça c'est pas bien, parce que ça fait grossir. Il y a le contraire, il y a ceux qui font rapetissir. Donc il va falloir faire attention de là où on peut passer. Et de pas mourir non plus. Yop là. On peut ressembler à rien au bout d'un moment quand même. Yo. Alors je reste vachement silencieux, mais ah, en fait il faut être à peu près concentré quand même. Vous voyez le nombre de niveaux qu'il doit y avoir dans ce jeu. Là on a vu des petites lumières apparaître par rapport à ce que j'avais fait. Et il y a plein de levels. Et tout le jeu est zen. Enfin il me semble. Hein.
Voilà, ah oui, bah ça y est, ah oui, ça y est, on commence à se dédoubler maintenant. Ouais, vous allez voir. Ça va devenir de plus en plus. Voilà. Par contre, faut pas rester en arrière. Il faut toujours qu'il reste au moins un de vivant. Ah non, 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 je pouvais pas sortir. Ce bug que je viens de me faire. Alors ça peut être bien comme ça peut ne pas être bien de. Ah merde. Vous voyez déjà le genre de jeu. Sortir avant. Hop là. Désolé pour toi le petit. Hein. T'es mouru, je sais. Est-ce qu'on va être 4 à arriver à l'arrivée? Je sais pas si on est 4 en revenant au niveau d'après. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu. À part qu'il est what the fuck quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! Ça y est, on arrive dans le. Je vous avais dit, je le connaissais pas vraiment. Je savais pas du tout ce que ça pouvait faire certains trucs de ce jeu. Sont what the fuck. YOLO, YOLO. Non, non. Ça accélère le déplacement, mais aussi ça accélère la défaite. Si on est bon. En gros, on est bien d'accord que le but c'est d'y arriver du premier coup, hein, parce que de toute façon, il y a un système de checkpoint, donc en fait, on meurt pas vraiment en fait dans ce jeu. Donc, je pense qu'il faut pas tomber sur les pics. Il y a des pics, j'ai pas trop envie d'y tomber. Regardez, j'ai fait le 4e point. Il y a l'air d'en avoir une chier monstrueuse. Beaucoup qu'on n'a pas l'air de voir, sûrement. Ah non, je déteste ça. YOLO, allez, c'est parti. Je sais pas, ça a l'air de servir à me ralentir. Yo. Hop. Je sais pas s'il faut prendre du poids ou pas. Ah, ce nombre qu'on est. Tout ça pour qu'il n'y en ait qu'un au final. Je pense que les mecs qui ont fait ce jeu, ils ont dû s'éclater. Regarde-moi cette duplication de bonhomme quoi. Ah le piège. Ah le piège. Ouh. Non, Zeus. Tu sais pas combien de fois je peux perdre. YOLO. Ah non, il aurait pas fallu que je le prenne. Ah, c'est bâtard. Ils te mettent un gros truc ici, mais vas-y, faut pas que tu le prennes parce que sinon tu meurs. YOLO. Donc voilà, je suis mort 40 fois, donc du coup, c'est pas possible d'avoir les petits œufs de fin de niveau là. On va s'en faire encore quelques-uns, mais vous voyez un peu quand même ce délire monstrueux de ce jeu. On dirait des petits poussins là. Oh, non. Il m'en reste qu'un. Ouh, déjà, ben. Il fallait juste survivre aux hélices. Yop. Allez, c'est parti. Je sais pas si on voit bien la caméra. Parce que ce jeu est tellement sombre que du coup ça fait peur.
Ok, donc là je viens de mourir. Faut que je fasse quoi? Est-ce qu'il faut que je tape dedans? Ah ouais. Ok. Est-ce que le décor se met à bouger? Et c'est pas... Yo! Yo, qu'est-ce que c'est que tout ça là? Oh là, ça pue le piège. Ok, donc ça pue que si on veut pas mourir, ben il faut... Alors comment je fais pour ne pas mourir, s'il vous plaît? Donc il faut pas se dédoubler. Ouais, mais c'est facile à dire. Je crois qu'on peut pas passer en fait. C'est le genre de niveau où t'as envie de te taper que des gens. Ouh, j'y suis arrivé. Ouh, j'y suis arrivé. Ouh, j'y suis arrivé. Ça a fait rétrécir tout le monde. Et si on rétrécit trop, on meurt ou pas? Ah, ce compte de bâtard. Ah, tu mords. C'est une bande de bâtards. Si tu passes au mauvais endroit, tu sais pas par où passer. Oh nom de Dieu. Nom de Dieu. Est-ce que c'est sérieux? M'explique comment je suis censé passer. Hein. Ok, d'accord. En fait, il faut céder les autres. Ah oh, non. Donc voilà, là on meurt. Hein. Donc c'est une sorte de Flappy Bird, là. Hein. Il faut pas se tromper. Non! Ça explose tellement que ça te fait la dinguer. Donc là, je crois que je n'aurai pas d'étoiles sur ce niveau. Hein. Je crois que j'en aurai pas du tout. Ouais. Allez, on s'en fait un petit dernier. On s'en fait un petit dernier pour la route. Et c'est parti. Yo, yo, yo. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain, niveau. Oh putain, niveau. Oh putain. Oh qu'il a l'air badass. Oh qu'il a l'air badass ce niveau. Oh, j'en ai encore deux, j'en ai encore deux, j'en ai encore deux. J'en ai encore deux, j'en ai encore deux. Non, non, non. Alors là c'était. Là fallait les prendre, tu vois. Ah, là aussi il fallait le prendre. Ça a été tendu, ouh, ça a été tendu, oh putain. Oh. Donc vous avez compris un peu le principe du jeu, c'est que ça, que ça, que ça, que ça.
Et ça doit devenir, j'imagine, de plus en plus badass. Et d'ailleurs, ce truc-là qu'on voit là, ici au milieu, ça doit être un lapin. Voilà. C'est flippant, quand même. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, partagez, mettez des pouces bleus. Et puis dites-le moi, surtout dans les commentaires. C'est sympa les commentaires. Vraiment sympa. Allez, je vous dis à plus.